Ainsi, mesdames et messieurs, nous pouvons antévisionner le grand philosophe grec Socrate buvant la ciguë entouré de ses disciples. Force nous est de reconnaître que le comportement des susdits est quelque peu surprenant. Ciel ! Quelle lucarne ! Mais quoi ? Quelle lucarne ? Devinez. 412. 412. Mais qu'est-ce qui se passe ? J'arrive. Je n'en sais pas plus que vous. Mais qu'est-ce ? Il s'appelle... Édouard. Édouard. Édouard est un farceur. Ou plutôt, c'est le farceur. Savez-vous qu'il sait tout? Je lui ai appris la musique. Et moi le dessin. Il danse, que c'est un rêve. Et quel amant. Il danse, il aime, il pousse, il sème. Il danse, il aime, il pousse, il sème. Je danse, je pousse, je sème, mais j'aime. Édouard aime. Un peu. Beaucoup. Passionnément. À la folie. Mais au fait, qui aime-t-il? Est-ce l'ensorcelante Hélène? La piquante Pilou? Amen. La tendre Olga? L'ardente Solange? Compris? D'où tu es? Je te dirai. Dans un moment, en face. J'ai envie de te tutoyer. À moins que ce ne soit l'étrange Aline, et sans doute beaucoup d'autres. Tant qu'il battra... Oui. Sans oublier son frère Guillaume... Et je ne suis pas mécontent de la mort de Sadi Carnot. Son oncle Théodose... Qu'est-ce que tu vas faire? J'attaque, sois ferme. Et par-dessus tout... Les hommes qui vous font rire, on leur donnerait tous les yeux fermés. Pourquoi fermés? Ah, si j'étais à votre place. Quoi, vous l'aimez? Qui ne l'aime pas? C'est vous qui avez appelé la voie publique? Moi? On va partir petit jeu-là avec vous, hein? Pas parce que vous portez aussi un uniforme. Oh! Gredin! Ah, il m'a reconnu. C'est pour la fuite, hein? Il y a quelque chose qui fuit. Bah, faut croire. Où m'emmènes-tu?